se retrouve à 15 jours de la rentrée. Et comme vous venez de le voir, en fait, j'ai fabriqué pour ma fille une lettre d'entrée à l'école de Poudlard, qui est en fait à son école à elle, puisque j'ai remplacé le mot Poudlard pour le nom de son école, avec un billet 9 3 quarts. Donc je lui ai fabriqué cette petite lettre pour son entrée en CP. Et ça m'a fait pas mal de bien en fait de lui fabriquer ça, parce que je me suis rendu compte, mais ça je m'en suis rendu compte fin juin, au moment où l'école a terminé, en fait que j'étais absolument pas préparée à l'avoir passée en élémentaire. C'est l'importance, hein, vraiment il y a une très grande importance dans les rites de passage. Et pendant une semaine, sa dernière semaine d'école, en sachant qu'elle a repris l'école le 11 juin, oui c'est ça, elle a repris l'école le 11 juin, donc elle a eu 3 semaines d'école. Une semaine où c'était un cours, comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait pendant une semaine où elle était en demi-groupe, mais pas avec sa maîtresse, avec une autre maîtresse. Et ensuite ils sont repassés au temps complet, mais que 2 jours par semaine. Et ensuite, la dernière semaine, l'école a repris pour une semaine de façon standard. Donc c'était du grand n'importe quoi, on s'est adapté, on était encore en mode un petit peu... voilà, on fait comme on peut, mais il n'y a pas eu en fait... j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment eu de fin à son école, enfin à sa maternelle. Et quand on a fait cette dernière semaine de cours, hein, où on a repris l'école à temps plein, j'ai été... j'étais assez choquée, assez chamboulée, j'avais vraiment le cœur lourd, j'avais très envie de pleurer parce que j'étais pas préparée psychologiquement en fait à ce que ce soit sa dernière semaine de cours en maternelle. Alors je suis très très mère poule, hein. C'est pour ça que voilà, ça m'a un petit peu retournée aussi. Mais en maternelle, les enfants sont encore des bébés et là, mon petit bébé va passer en primaire, donc elle va passer dans la cour des grands en fait. Et en fait, moi, j'y ai pas du tout été préparée. Je pense que les enfants n'y ont pas du tout été préparés non plus. Bon, ma fille est dans la même école, c'est la même école, à une porte séparée et une cour séparée entre les petits et les grands. Donc elle sait quand même où elle va aller, elle connaît quand même un petit peu son école, mais il était prévu normalement qu'elle visite cette école, qu'elle rencontre les maîtresses du CP. Il y avait tout un tas de choses qui étaient organisées aussi pour préparer les grandes sections à rentrer en CP. Bref, ça n'a pas été fait. Donc nous, on a essayé de la préparer au plus possible à travers les apprentissages, le suivi des apprentissages pour le CP. Mais psychologiquement, cette transition qui se fait, en fait, on ne l'a pas eue. Il n'y a pas eu de fête de fin d'année, il n'y a pas eu au revoir à la maîtresse, on n'a même pas eu le temps de préparer un cadeau pour la maîtresse, par exemple. On a revu les enfants la dernière semaine, tous les enfants se sont revus la dernière semaine alors que ça faisait 3 mois qu'ils se voyaient plus. Donc on n'a même pas pu avoir de contact avec les autres parents, enfin c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi au point où moi je me suis rendu compte que j'arrivais pas à lâcher prise en fait sur le fait que ma fille grandissait et ma fille allait passer une étape, elle allait passer au CP. Donc je me suis dit non mais je vais m'y faire, puis les jours passent, là on est à 15 jours de la rentrée et en fait je n'y fais toujours pas. Elle, on a eu ce rituel un petit peu d'aller chercher un nouveau sac parce qu'elle avait besoin plus d'un sac de bébé mais d'un vrai sac. Les fournitures de bureau, donc pour elle ça a été ça un petit peu sa transition, on a fait en sorte que ça devienne comme son petit rite de passage à elle. Mais pour moi en fait j'avais pas marqué le coup entre vraiment le fait que une période se terminait et une autre commençait. C'est pour ça que ça n'a rien à voir, mais en fait on lui a lu le premier livre d'Harry Potter, elle a adoré à fond. Je lui avais créé un petit costume il y a un an de ça, avec une petite cape de sorcier et tout. Elle a passé son mois d'août à la mettre, avec son petit chapeau pointu, en disant « Je suis Harry, je vais à Poudlard ». Donc bon, je me suis dit « C'est l'occasion pour moi d'acter en fait son passage à travers une création, à travers quelque chose ». Et c'est pour ça du coup que j'ai pris le temps, ça m'a pris quand même toute la matinée, hein, pour écrire sa lettre d'admission
à Poudlard. Puis le fait que ce soit moi qui l'écrive, que ce soit moi qui le fait, qui le fasse, d'écrire noir sur blanc, ma fille passe en CP également, hein, qu'elle est admise en CP, de lui créer donc tout ça, d'essayer vraiment de prendre le temps de lui faire un chouette truc, de lui prendre son petit billet de train, pour partir à l'école aussi. Du coup, je vous montre d'un petit peu plus près, j'ai imprimé le ticket de train 9¾, je l'ai collé derrière sur une feuille dorée, parce que je ne pouvais pas imprimer directement sur la feuille dorée, donc je l'ai collé dessus, je l'ai découpé, et ensuite vous voyez, comme je vous ai montré avec le tampon, j'ai doré les bords, voilà. Donc en fait, à travers cette création, moi ça m'a permis de vraiment acter le fait que bah ça y est, ma fille passe en CP et ma fille n'est plus un petit bébé, c'est une petite sorcière prête à aller à l'école de magie de notre quartier. Voilà, moi je serais curieuse aussi d'avoir vos retours, si vous voulez les mettre sous cette vidéo, des parents aussi qui ont des enfants, quel que soit l'âge, hein, et qui ont peut-être, comme moi, mal vécu en fait cette transition. Alors je pense surtout peut-être aux parents qui ont des enfants de moyenne section, de grande section à CP, ou ceux qui sont passés du CM2 et tout d'un coup qui vont passer à la 6e, des grandes étapes comme ça, collège, lycée, voilà, n'hésitez pas, ou même à travers un déménagement où tout d'un coup tu dois déménager à la rentrée, puis t'as pas eu le temps de dire au revoir comme il se doit à tes camarades, à ton école, voilà, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi vos retours pour partager autour de cette expérience qui est quand même une expérience complètement particulière. J'en profite aussi du coup pour vous partager une ressource sur les rites de passage, l'importance des rites de passage. Je vous mettrai le lien de cette vidéo soit à la fin de la vidéo que vous êtes en train de regarder, soit juste en dessous, en fait dans la barre d'infos. Mais c'est élaborer vos rituels de passage par Myriam de Lesaca, qui est édité aux éditions Trajectoire. Je vous ai fait une review, donc je viens de vous le dire. C'est pas grave. Donc voilà, je vous mets les infos en barre d'infos. Comme ça vous saurez. Mais c'est une chouette ressource pour tous ceux qui veulent justement un petit peu créer leur propre rituel. Au niveau des jeux, on n'a pas vraiment de jeu qui va retracer les rituels de passage en tant que tel. Par contre, on peut utiliser n'importe quel tarot justement pour essayer de s'aider, puisque le tarot vous parle du voyage du fou. Donc à travers le voyage du fou, on a à chaque fois des rituels un petit peu qui se passent. Donc à vous après d'élaborer votre tirage par rapport à ça. Mais je pense que les meilleurs jeux à utiliser du coup pour vivre une transition, ça pourrait être d'utiliser un tarot. Au niveau des oracles, moi je me suis penchée sur le médecine chamanique. Vous en avez un autre sur le thème du chamanisme qui est écrit aussi par Denise Lynn, que j'ai trouvé intéressant par rapport à ce rituel, ces rituels un petit peu de passage. Voilà, ce sont les deux jeux vers lesquels je me tournerai. Pareil, je vous les mets en description, en barre d'infos. Si j'oublie pas, sinon vous me le rappellerez, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour ces petites ressources qui pourraient accompagner justement des difficultés lors de rituels de passage.